Salut à tous, c'est le Squat et on se retrouve pour Salas Let's Play de Fallout New Vegas. C'est nul! Parti, c'est parti. Parti. Bref, voilà. Bref, voilà. Je pense que la majorité des personnes qui regardent ce let's play connaissaient cette cinématique. Non. Vous connaissez l'histoire. Non. Vous connaissez cette cinématique. Ta gueule ! J'ai repris vos esprits. Ta gueule ! Oula, du calme. Doucement. Détendez-vous un petit moment. Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom ? Gilbert, le BG. Point. Fortnite. Parfait. Le résultat vous convient ? Non. Le résultat vous convient ? Parfait. Mais il me convient si, déjà à la base, je ressemblais à Jean-Pierre Foucault. Alors déjà, la grande question, comme à chaque fois, masculin ou féminin ? Féminin. Alors. Non, mais on va rester normal, je pense que c'est con. Ok, bon. Alors, comment ? Je sais pas. J'ai bien envie de faire. Ta gueule ! Bah, un peu comme Tojol, hein, c'est-à-dire un personnage vraiment, mais alors. Dégueulasse. Le truc qui va nous faire marrer tout le long. Un peu comme son portière, je sais pas lequel est le plus dégueulasse. Moi, je dirais que c'est lui, parce que c'est vrai que quand même, il a une bonne vieille gueule de pâté. Donc, allez-vous foutre ? J'ai dit ce que je veux. Oui, j'ai dit allez-vous foutre. Bon, on va pas rester trois plombs. Alors, loul. Là, il est carrément balèze. Il n'aurait jamais imaginé qu'après sa puberté, il puisse avoir une gueule pareille. Ah, les cheveux. En fait, je sais à qui me fait penser. Il me fait penser, en fait, à Mister Oiseau mélangé à Rodney Mullen. Skateboard. Du skateboard. On s'en bat les couilles. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Arrête la drogue! Ça, on va commencer, je pense, comme ça, en 5-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 
comment ? Je suis puni, je suis au coin, je suis méchant, personne ne m'aime, je suis moche, je mérite de sucer des tellement je suis méchant. T'es puni, monsieur ? Ok. Vous devez être J'ai des tas de choses à vendre, même des chats qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas... You serious? Le seul truc qui me permet de survivre, c'est de mettre des vents à des gens comme vous. Mais il n'y a pas beaucoup de visiteurs, donc je sais pas si je vais survivre longtemps. Je suis si triste. Bon, maintenant que vous ne m'écoutez plus, je peux dire des conneries, du genre, blanquette de veau, quenelle de brochet, lol. Ou je peux dire que le squat, il sert à rien, et il est tout pourri dans la fesse. C'est marrant, j'aime bien. Le squat, c'est un une grosse qui pue la chiasse, c'est un gros sale. Va te faire. Alors, nous voici devant l'écran après un bon gros pipi pipi. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire au nord-ouest. Rapport qu'ils sont ennemis avec les grands cannes. Oh, you serious? Ah, je crains de pas savoir grand chose. Let's go. Barré. C'est nul! Ça. Oula! Wesh, la passe! La passe, pas la passe! Putain, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai, ça me gratte dans la gorge. On va demander à Easy Pet. Bonjour, je suis Easy Pet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez en savoir plus sur la région? Vous voulez du lait de Brahmine? Ou alors, tu veux venir sur mes genoux? Tu veux faire ta liste au Père Noël, petit? Viens sur mes genoux. Je vais te faire voir quelque chose de rigolo, petit. Viens, on est bien. Viens, je te dis. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Easy Pet? Parce que je suis facile à vivre. Tu veux venir sur mes genoux? Ta gueule! Un petit peu le dialogue et tout. C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. Sus. En tout cas, c'est un con. Easy. Pété! Elil. Coucou. Elil. Oula. Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Okay. Retrouvez-moi dehors. Ok. On va la retrouver dehors. Oh, Cheyenne. Oh, Cheyenne au pied. Oh, putain. C'est l'idée. Bon, bah, c'est un début. Serious? Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos. La grasse canine. Bouleversant. Salut. J'en ai. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va être polis. Ma bite! J'ai été clair. Ouais, vas-y, pousse-toi, bâtard. Ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. What? La place de la femme, c'est à la cuisine! La femme, c'est à la cuisine! Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin.
J'essaie de rencontrer les putes de... Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Naturellement, et des Ringo, ça rendra les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Bref, que de cet homme qui vous dit... Un ex-prisonnier. Ok. Eh ben putain. Salut. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qu'il mange? Bah quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Yazibet? Oh, bah... C'est rien du tout. On peut plus bouffer en pays ici. Oula, oh là, d'accord. Et puis merde. D'accord. Ça a l'air d'être des gnocchis, mais Mais bizarre. Non, c'est des couilles de brahmine. T'es content? T'en veux? Ouais. Parce que c'est super bon. Plein de... Alors bon, du coup, on va aller voir Ringo, là. Qui est planqué dans sa station-service, apparemment. On va aller voir sa tronche, déjà. On va aller voir ce qu'il nous raconte de beau. Oh, la trousse de médecin, ça c'est bon, Merde, non, je veux pas prendre la levure, putain. Alors ça, c'est un des trucs les plus chiants. C'est prendre des trucs sans faire exprès, quoi. Puis alors, la levure, putain. À quoi elle sert dans le jeu, à part nous faire chier, sans déconner. Alors, du whisky. Mémé a boit du whisky avec ses voisins. Du whisky. Alors, mémé. Il y a quoi là-dedans? De l'eau sale, de la merde et de la merde. C'est très bien. Eh oh. Je veux m'asseoir ici précisément, et cela, pour te faire chier. What? Toi et tous tes descendants. Tout va bien. Bah ouais, tranquille, on est posé et on RPZ. On est trop vénère. Oh le sac maringue. Oh les cartouches. Hey, c'est à moi. Jay. Yeah. C'est ça. Jay. Yeah. Saloperie! C'était bien caché. Ah merde! C'était à lui. Il va me les reprendre. Eh, hey, c'est à moi! Oh putain, je me sens pas bien. Une fois de plus, la magie ne va fonctionner. Non. Oh, problème en perspective. Bienvenue. D'accord. J'ai l'impression quand même que Azipet ça lui réussit pas les masses parce qu'une fois de plus la magie a fonctionné. Salut, je marche. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part. Et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Ok. Ok. Merde. Ok, ta gueule, merci. Oh là là, putain, viens. Alors tu fermes ta gueule. Comme ça. Oui, putain. Bah, super. Pour cirer mon bois, j'utilise du saumon. What? Les puces. C'est vrai, il faut que j'aille voir lui aussi, pour qu'il me dise « Oh, maintenant, je vais vous prêter mes armures en cuir. » Bah, après, t'étonnes pas si t'es mal aimé, espèce d'enfoiré. Salut, je vous l'ai déjà dit. Mais alors voilà, c'est la première mission, c'est le premier truc du début, donc on va les... Ah non, ça c'est la baraque de Doc Mitchell, c'est vrai. Oh Michel, t'as des steam packs pour nous? Bah Michel, t'as des steam packs pour nous? Pour qu'on stanne le cuir. Il est où? Désolé, mais il faut que je la fasse. La boule magique! Vous revoilà. Oh, le petit chapeau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça si c'est pas beau. Si je dis rien, écoute, on va pas se plaindre, hein, mon Dodger. Eh, Dodger René, tu vas te calmer, René, hein? T'arrêtes de gueuler, René! La boule magique. Ah ouais, carrément, en fait, Doc Mitchell, il en a tellement rien à foutre qu'on peut tout lui chouer et c'est très bien. On va bien se saper. Et on a la classe, mon Dieu. Et voilà, puis c'est tout. Qu'est-ce que tu fais à la chaise, là? Qu'est-ce que tu lui as fait à la chaise? Pas Michel. J'ai rien fait, c'est elle qui m'a guiche. Tu peux pas en parler? Non, TG.
Oh mon Dieu, j'ai pas compris. On discutait et d'un coup, il s'est assis sur mon visage. Il est taré ce type. Moi, je ne dirais qu'une seule et simple chose. C'est ça. Et voilà, c'est ça qui vient. On va l'éclater là-dessous. Tac et... Qu'est-ce que tu fais à mon mug? Oh putain. Écoute, c'est pas ce que tu crois. Sérieux? Je suis trop deg de ta gueule. Prends pas les choses plus difficiles qu'elles le sont déjà. C'est... Ok, bien. Un couteau, 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 un couteau. Ciao, ciao. Oula, d'accord, il fait nuit, ça y est. On est chez qui? Oh là. Une petite soif? C'est super violent de me dire ça chez toi, comme ça, Trudy. Bon, on va faire ça bien, c'est-à-dire qu'on va pioncer tranquille jusqu'à demain matin. Donc là, on va un peu la faire à la Antoine de Maximi, c'est-à-dire que j'irai dormir chez vous, mais je sais pas trop chez qui, quoi. Donc bonjour à tous, aujourd'hui, je suis dans les terres dévastées du Morave, où je vais tenter de rencontrer les habitants et découvrir un... Salut! Follow me, bonsoir. You should take crap. Bon, je peux peut-être dormir chez elle, elle m'a dit de la suivre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Attends, ma machine! On va la suivre. Bon, alors cette personne très accueillante m'a proposé de dormir chez elle, du coup, de m'accueillir, on va voir comment ça se passe. Hey. J'y capte rien là. Y a Sunny qui a piqué le lead. Pff, je comprends rien, ça a l'air d'être un peu dégueulasse comme histoire, donc je préfère me barrer. Non mais là je vais pas réussir à dormir quoi. Je sais pas où je peux aller. Oh putain, réveille-toi, il me faut un lead, donc tu te réveilles, tu te dépêches. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh non, mais non, lève-toi. Lève-toi s'il te plaît, viens là. Voilà, comme ça, nickel. Continue. Ah, la botte pour les passionnés, j'avais pas vu. Hop, putain. Oh yes. Alors, voilà. Vas-y, réveille-toi putain. Réveille-toi. Réveille-toi, il faut que je me couche ou je vais encore dégueuler. Réveille-toi. J'arrive plus à me sucer, OMG. Aide-moi bâtard, putain, je suis tout sucé. Alors ce que je peux te proposer Ringo, c'est qu'on y aille, voilà, et on leur casse la gueule et puis... Il faut y aller. Les poudriers sont là. Ils veulent jouer. Ils sont là, là. Oula, jouer. Oula. Jouer. Il fait jouer. Vas-y, non, allez. Ça a l'air d'être des méchants. Bah si, ils sont méchants, allons-y. Carabine arrière comprimée. Ah bah forcément. Reste de tête plate, ouais. Allez, putain. Est-ce qu'il y aurait par hasard un problème? Oh là là, putain, Gilbert. Ah là là, putain, ta gueule. Oula, il est en train de se faire violacer à main nue. Tire dans la... On va leur tirer dessus, à ces fils de pute. On va les tirer dessus, ces fils de pute. Je suis apprécié à l'esprit. Je suis heureux. Heureux. Ouais. On a levé Lupa. Papa, ta gueule. Au début, j'ai foutu arme au corps à corps, crochetage et main nue. Mais le truc, c'est que bon, j'ai mis ça parce qu'il m'a proposé ça, je me suis pas emmerdé parce que. Je vous dois un énorme service. Ça, c'est ce que j'appelle la classe internationale. L'ultra classe, la maxi classe. Un short avec des chaussettes qui dépassent des chaussures. Bon, je suis contente que cette affaire se termine. Oui, ok, c'est cool, je vais te parler. Ça apprendra aux poudriers à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. Ben, je pense qu'on est fin prêt pour enfin vraiment s'aventurer dans les terres dévastées du Morave. Parce que là, à partir de maintenant, là, si je vais un peu plus loin, ils vont me dire voulez-vous vraiment accéder à la partie dangereuse du jeu? Donc, bah voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au deuxième épisode. Donc, je sais pas exactement quand je vais faire ça, le temps de recueillir un petit peu toutes vos réponses. Sondage que je vais mettre en description pour savoir un petit peu ce que vous voulez que je fasse dans l'épisode 2 et après on s'aventurera enfin dans ces contrées lointaines. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à voter au son.
personnage. Non, sans déconner, voilà, je vous encourage à aller voir le vote que je vais mettre dans la description. Donc je vais faire ça en plusieurs votes, je pense, dans lesquels je vais mettre plusieurs possibilités, comme j'expliquais dans la vidéo de présentation. Un petit système de vote sur un site, un truc basique, mais pour recueillir vos votes simplement. Bah, n'hésitez pas à faire tourner, à partager, à aimer, à tout ce que vous voulez, à sucer la vidéo, pour que j'ai un maximum du coup de votes, pour que ce soit vraiment sympa. Et voilà. Bah allez, ciao. Au show. Bah ouais, ça va, et toi? Frérot, tu sais, j'ai récolté combien de bouteilles au purifié, là? Grâce aux bouteilles vides. Tu sais, j'en ai récolté 500, j'en ai récolté. 500. Oh putain! Voile! Laisse-moi charger, fils de pute! Vraiment efficace cette arme. Mais celui-là, il est encore plus abusé, frère. Je voulais juste le tester. C'est tout. Alors. Oh, la lé... Non, la légendaire. T'es sérieux, frère? Oh ouais, celle-là, elle est radicale, frère. Oh putain, la légendaire, frère. Oh non, c'est chaud, hein. C'est énorme les dégâts qu'elle fait, hein. Putain de... Elle m'a déjà bousillé presque tous mes PV. What? What? Je suis mort. Voilà. Le jeu, il est un peu gay, frère. Le jeu a pété un plomb. Génial, les gars. Je l'avais pas vu venir. Normalement, ici, ça devrait bien se passer. Normalement, je peux le one-shot. Hein. Voilà. On va commencer par ça, déjà. Et aussi de pute. Comme dirait un certain Family, go, 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 go. Tant qu'elle est coincée. Oh, putain. Un écorcheur légendaire, les gars. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Attends, attends. Ils sont vénères parce que j'ai tué leur mère. Fais chier. Oh là 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 là, je danse sur vos cadavres.